no es un triángulo. Entonces, de izquierda, de derecha a izquierda, acá viene Seijas. Jour de match pour le Barça. L'entraîneur donne ses dernières consignes aux jeunes joueurs qui portent fièrement l'écusson du champion d'Europe. Nous sommes pourtant à Buenos Aires, dans le centre de formation argentin du FC Barcelone. Combinaciones, un juego jugado de pie a pie, un juego que tenía menos lucha y más precisión. El Fútbol Club Barcelona exige que nosotros hayamos tenido que traer ese estilo y aplicarlo con la máxima perfección posible. Avec ses vestiaires en briques rouges, son restaurant et ses 8 terrains impeccables, le centre de formation est l'un des plus luxueux d'Argentine. Chaque année, près de 200 jeunes découverts dans tout le pays sont formés gratuitement. Les meilleurs obtiendront leur place à la Masia, le centre de formation du Barça en Catalogne. Le meilleur de cada una de las categorías va a Barcelona et que el resto de todos los chicos se reinserte dentro del fútbol argentino. Ici, impossible d'interviewer les pensionnaires, le Barça l'interdit. Le club veut préserver les jeunes de la pression médiatique et d'une notoriété trop précoce. Les parents apprécient cette fermeté. Ellos les exigen mucho. Si ellos van a la mañana temprano, les exigen las notas altas. Avec ce centre délocalisé en Argentine, le FC Barcelone veut permettre aux jeunes de s'épanouir chez eux, dans leur pays. Une chance que n'a pas eu Lionel Messi, le prodige argentin du Barça. C'est une manière de dire non à ce système de llevarse les chicos et que sufran le desarraigo de tan jóvenes. Messi se fue à los 12 ans, sufrió mucho, él y su familia. Ce jour-là, l'équipe des moins de 15 ans s'est inclinée 5-0. L'apprentissage est encore long pour devenir une star du Barça.